Seigneur Jésus-Christ dans la louer. Que le Seigneur Jésus-Christ nous soit loué. Le coup Moïse vraiment est. L'honneur lui appartient. L'écriture est sa capisso. L'écriture nous dit. Azadim. Abondi. D'abord recevoir l'acclamation. Il faut que ta vie se prosterne devant Jésus-Christ. Si quand on commet l'erreur, on s'inquiète pas. Là où tu commets une erreur, tu demandes pardon. Même devant ton inférieur. À ta liboso et à moteur de qui est. Humilie-toi, bien-aimé. Nous sommes préparés pour la rencontre avec le Seigneur. Nous nous préparons pour la rencontre avec le Seigneur. L'orgueil ne sert de rien. L'orgueil ne les alimente à terre. Tout ce que le Seigneur nous a dit de pratiquer, il est contraire à la chair. Sache que c'est contraire à la chair. S'il dit d'être humble, l'homme, dans sa manière d'être, il est orgueilleux. Si le Seigneur te dit, sois humble, il sait que dans la chair, l'homme aime l'orgueil. Mais la plus grande des choses, Proverbe 22 dit au verset 4, l'humilité est la mort dans ta vie. La vie est goya. C'est la vie qui viendra. Et puis la gloire. Et puis la gloire. Et la richesse. Paix aux suis. Et ça, oui, ça va permettre de vous mettre sous l'immanité et appeler l'humilité. C'est comme le fruit qui sort de l'arbre appelé l'humilité. Dans ma relation, dans toutes tes relations. L'inga qui t'a cassé. Il faut aimer te rabaisser. Dans tout le milieu où tu pourrais être, il ne faut pas te considérer quelque chose. Laisse que le Seigneur puisse te lever lui-même. Il faut savoir qu'il existe un maître de la fête. C'est Dieu lui-même. Lorsqu'il donne la parole, si on t'invite dans une fête, où est la première? Il ne faut pas te précipiter à s'asseoir sur la première place. Lorsque le maître de la fête y entrera, il va te placer dans la place que tu mérites. Il existe un maître de la fête. Il faut le savoir dans ta vie. C'est lui qui nous a appelés dans ces choses vivantes. Même si tu renies la chose que tu viens de commettre, tu refuses de t'humilier, il y a le maître de la fête. Le même Dieu qui a parlé avec Moïse, a parlé avec Isaïe, le même Dieu qui a marché avec tous les prophètes, a parlé avec l'apôtre, il a marché avec les apôtres, il est avec qui je serai toujours avec. C'est le même qui a venu à Mosalatakata. Ce n'est pas nous qui lui avons donné l'ordre d'être toujours avec lui-même. Il a regardé les combats qui viendront. Il a vu que de nous-mêmes nous vaincrons. Il n'y a pas moyen de nous abandonner même pendant une seconde. Toujours. Il sera toujours avec nous. Pour construire vie sur base et à maçon. Ne construis pas ta vie sur base de mensonges. C'est un grand conseil.
Ils habitent ton lit à mon émois. Lorsque tu bâtis ta vie sur le mensonge, c'est comme si tu bâtis une maison en carton. La carton. Les vents viendront l'emporter à renverser. Ils vont désirer accepter tes ravissements dans ta vie. Accepte de t'humilier. Parce que le salut, oui, t'es bon, c'est pour toi. Celui qui va te payer, ce n'est pas celui qui te voit de l'extérieur. Mon foutu à bateau. C'est Dieu. Ils allaient nous arriver. Et c'est Dieu là qui est le rémunérateur. Zambia, ça nous fout si abattu. Ils sont de l'éternel. Aïe, il nous dit, mais t'es ma paix, ma canisse. On est dans le travail à Mokiri. Voyez, dans le travail de ces membres. Entre le papadan. Entre le païen. Et qu'aux alentours respecter mon congénère dans un domaine. Il peut y arriver qu'il respecte son supérieur dans un domaine. Et ceux qui m'ont congénère. Mais si son supérieur tourne. Et qui reste entre inférieurs, pourrait même commencer à insulter leur supérieur et en voyant leur supérieur, et qui les respecte comme il se doit. Commission de discipline, la commission de discipline de leur entreprise, constat parfois, lorsqu'ils feront le constat parfois, conduite n'est pas excellente. Il pourrait voir que la conduite de ses serviteurs là est excellente. Par rapport à l'apparence qu'on voit du respect qu'il donne à son chef, mais à côté il dit n'importe quoi. Et parmi les hommes, ça se passe comme ça. Mais par exemple, et même pas chez Dieu. Descends dans les guerres. Zamé a lié la canicité, il thérapie ma canicité. Il juge à Saint-Bissacamanso. Il a pris soin de créer le pied de la fourmi. Et il connaît le nombre de fourmis qui meurent par jour. Il s'occupe de toi et des animaux dans la forêt. S'il dit que tel nombre de gibier mourent aujourd'hui, à tel lion, même si le lion, en train de poursuivre l'antilope. Et que ce jour-là, Dieu avait déjà clôturé le nombre dans la forêt. Le lion va bercer l'antilope. Il ne va pas la déchirer. Nous avons des images dans des documentaires où le lion rencontre un animal et il ne le déchire pas. Et sache que Dieu n'avait pas destiné cet animal à être déchiré. Dieu, il faut le respecter. Et Seigneur, qu'on m'aime à Zambé. Ne viens pas ici comme si tu venais chez les hommes. Tu viens chez Dieu. Dieu, c'est Dieu là. Alors, à très dur. Surtout ceux-là qui ne croient pas à la parole. Et Dieu, devant sa parole. Et le Seigneur est bon devant ceux qui sont humbles devant sa parole. Il faut faire très attention. Le Seigneur dit ok, va ma casse. Ça, c'est la maison du Seigneur. Oui, ça dit qu'on a quoi en colo. Ici, tu veux vivre longtemps. Sauf que le Dieu dit qu'à Nicolas Bélé. Voir les jours heureux. Préserve ta langue. Si tu préserves tes lèvres, et tu verras des jours heureux dans l'avenir. Et ça, c'est la parole de Dieu. Qui a créé tous ces jours-là, qui connaît le jour même s'il n'est pas encore arrivé. Il t'a dit, si tu veux voir des jours heureux, préserve tes lèvres. L'ennemi qui nous combat, il n'a pas besoin que nous voyons des jours heureux. C'est pourquoi il cherche à dire que tes lèvres puissent parler, dire n'importe quoi.
David disait à Dieu, si tu vois que la chose que je veux dire est mal, Seigneur, ferme ma bouche. Est-ce que j'ai des prières? Esaïe pensa et l'eau dans le sang. Quelqu'un qui prie en fait qu'il ne puisse pas dire n'importe quoi. Il faut très attention. Il faut que tu prennes garde. Parcours, tu ne connais pas ton parcours dans l'avenir. La parole est bien. C'est la parole qui le dit. La parole et le délai. C'est pourquoi la parole t'avertit des paroles. La parole t'oriente en vue d'obtenir la victoire. Donc ne cède pas à la pression sur les péchés. La bitumbanion sur ma soum. Le cas par tous les moyens. Cherche par tous les moyens. Il y a pour vivre une vie à pureté. Et vivre une vie de pureté. Il y a pour se répentir. Il y a pour tout la tamassou. En vie à péché en mal. La vie du péché n'est pas bonne. Attends, message, même si tu envoies un message de désordre à quelqu'un, mais tu l'appelles chéri ou contrôler bien le message ou effacer. Après, tu contrôles bien ton message, tu l'effaces. Tu n'as pas effacé pour que Dieu ne voie pas, mais pour que les hommes ne voient pas. Et toi-même, tu sais que tu as effacé pour que les hommes ne voient pas. Mais tu n'étais pas repenti, ma petite. Donc, vous voyez bien que c'est pour garder position. Tu sais bien qu'en gardant cette position, si tu meurs, tu ne verras pas le Seigneur. Tu le sais très bien. Mais les gens n'ont pas de témoignage. Tu effaces le message. Et pas dans un baiser effacé. Mais chez Dieu, ce message n'est pas effacé, frère. Et pas dans la balle, il est effacé. Et devant les hommes, c'est effacé. Même après, tu vérifies si tu l'avais vraiment effacé. Ah, jamais effacé. Mais il faut le réveiller. Mais tu dois savoir ceci. Au Bénami, au Pessa, ta vie et pas à Seigneur. Tu es appelé à donner ta vie au Seigneur Jésus. Pour y affûter la missionnaire. Parce que c'est lui qui a payé notre dette. La dette qu'il a payée, et personne ne pouvait le payer. Donc c'est comme si nous avons la dette morale envers Jésus-Christ. Parce que l'œuvre qu'il a accomplie, même à la manière des hommes, si par exemple on te condamne à une peine, et qui vraiment est. Et que vraiment tu es coupable et que vous méritez une prison il y a 20 ans et que tu mérites par exemple 20 ans de prison et par le week-end ce que nous sommes en tel million de dollars et on te donne un montant pour racheter tes années de peine et ce que vous en avez et tu n'as pas cet argent ce que nous montons quoi il y a foutu il y a foutu. Et si un homme apparaît et rachète toutes tes années de prison, et tu sors de la prison, tu ne diras jamais du mal de cet homme-là. Et tu ne voudras pas le faire du mal. Tu vas commencer à les chanter. Nous le voyons chez les hommes de la terre. Accordez plus votre raison chez Dieu avec la dette qu'on ne pouvait payer. On tournait une amie dans l'école. La question était posée dans la salle. Qui est digne d'ouvrir le livre et en rompre ses saumons tout est. Et personne dans l'école, dans le ciel, sur la terre, c'est et en bas plus bas que la terre. Dieu a voulu que tu as posé dans la terre. Et le Seigneur, en posant la question, il n'a vu personne. Et lui-même, il a accepté de prendre cette place. Il s'est fait serviteur. C'est pourquoi Moïse, verge comme un serpent, lorsque la verge était devenue le serpent, il n'avait pas saisi le serpent par la tête. Okay, là. Mais il avait saisi par la queue voilà, bon, là, est... pour montrer Dieu pour que la loi puisse le capturer, il doit devenir serviteur. Parce que la queue, c'est le serviteur.
les amis, sa tête c'est tout un roi. Mais mon tout les amis, le Seigneur va qui saisit les serpents par la queue. Pour avoir qui s'imbaye à mon qui la vie. Donc il faut dire que Dieu lui-même va accepter qu'il comprend comme ça. Tu dois savoir que Dieu avait lui-même accepté de devenir serviteur. Vie n'a eu Isaïe à mon côté. Ta vie ne t'appartient pas à toi seul. Isaïe à Jésus. Ta vie appartient à Jésus-Christ. Jésus nous délivre de la tentation. Afin que nous devenions ses esclaves. Ça, tu dois le savoir. Il t'a fait quitter la servitude pour devenir encore esclave. Au premier livre à l'Égypte, tu es devenu libre par rapport à l'Égypte. Nous sommes esclaves à Christ. Mais tu es esclave de Christ et Jésus. Il y a mon ami Lévitique 25. C'est pourquoi Lévitique 25, verset 55. Le verset 55. Le Seigneur dit merci. C'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. La délivré du Maroc. Je les ai délivrés là-bas. Afin qu'ils comme esclaves. Afin qu'ils deviennent mes esclaves. C'est ça le principe. Les aliments ont été les gars. Il t'a fait quitter le péché. Délivré de la mort. Il t'a délivré du mal. La maladie. Il t'a délivré de maladie. Mais pour que ta vie lui appartienne et non à toi. Tu ne peux pas commencer à faire des choses de toi-même. Évitons quelque chose devant Dieu. Il faut éviter de te considérer quelque chose devant parce Dieu. Parce que Dieu résiste aux orgueils. On t'avait à t'élever la cabane dans l'olendo. Et pourquoi il résiste aux orgueils? Il même avait dit à t'élever la cabane dans l'olendo. Fais attention, ce frère. Qui est pas ma tasse, si mon ligami. Et yo mon bon misoua défense, la yo mon bon amakam, ce qui n'y est. Que toi-même de prendre ta défense dans un problème. Dis qu'est là Jésus. Laisse la place à Jésus-Christ. On t'aimant vraiment dans ce Seigneur. Je demande vraiment à ton cœur. Et on va aller Jésus-Christ. De pouvoir garder seulement Jésus-Christ. Et on va qui nous mate. Plus seulement préserver la pudicité. Et au beauté. L'adultère. Et le baba film pour nous. Plus on préserver le film pour nous. Parce que je sens qu'il y a des gens qui vont résister quand tous les autres vont pour nous. Parce que je sens qu'il y a des gens qui résistent au film. Dans cette chambre qui continue cette. Qui aura le salaire? Au nom de Jésus. J'ai dit que qui aura le salaire? Toi qui méprises l'enseignement, qui sera payé? Qui que tu sois, qui te paye? Nous allons continuer à consommer le film. Avec ta femme, dans la maison, vous aurez le salaire. Parce que nous le disons. Les dieux que nous serons vivants. Ça compte tout ça de la Zanina. Il n'est pas la personne avec qui vous êtes. Il est vivant, il défend sa cause. À ça, la bombe, on peut apporter la Zanina. Il verse sa parole. Il y a singe la Zanina. Il verse sa parole. À singe la Zanina. Ta vie est à l'autre. Ta vie ne t'appartient pas. Nous aux femmes dans la barre. Il vomit qui reste là dans la loi, la vie à la maison, dans les désordres, il est dans l'église, au sein de l'église, nous avons fait la banzine, il n'y a pas profane, mais tu écoutes toujours les chansons, ton cœur est emporté toujours dans la vie, ton cœur est toujours emporté par ces choses, faites attention, qu'est pas à mon lima, l'idée que nous servons est vivant, ça peut être toujours ça, les Azali n'a bon mot, il est vivant, Azali n'a bon mot. Vie n'a eu Israël, ta vie ne t'appartient pas, elle appartient à Jésus-Christ, sauf ton aïeux Israël. Et ton corps est à Jésus-Christ. Il faut considérer à commander cela. Il faut considérer cela tel que ça. Si tu es sorcier, considère tes compagnons. Les personne n'avait vaincu les gens. Devant le combat de Jésus-Christ. C'est pas toi qui ne veux pas aujourd'hui. Tu as choisi un temps de faire. Je répète. Vous en bloquez. Tu es sorcier. Vous en la science quinte. Vous en la science quinte. Vous avez mis au solanda. Au pronikan ya parfait. Tu as choisi le temps de faire le matin à l'automne. Et ça va à la défaite. C'est un temps qui subit toujours la défaite. Il y a qu'un temps Jésus. Viens dans le temps de Jésus-Christ. Avant mon long, il est un vainqueur. D'âge en âge, il brave l'orage. Il était là, il était à Matamou, à l'État. Quel que soit le combat, c'est le vent dans ma siècle à l'ombre. Quel que soit le
combats qui s'étaient soulevés dans les siècles, il les avait vaincus. Alors, par que j'ai prédit. Il dit, Nazolo va arriver. Les choses que j'ai prédit arriveront. Il dit, c'est lui-même qui prédit et ces choses s'accomplissent. Après ça, quand c'est Dieu, il est très puissant. À ça, l'angouille à Koleta. Il n'est pas question que ça va m'accompagner. Il y a la science occulte et la sorcellerie. Sache que si tu es sorcier ou occultiste, au poney, quand il y a défaite, tu as choisi le temps de la défaite. Jésus-Christ est un victorieux. Jésus-Christ est un homme longue. Avec ce qui est à venir. Lui qui connaît l'avenir, il peut voir un homme. Comment les salimités de déjà il est venu. Le combat n'est pas encore arrivé, mais il connaît l'avenir. Et il appelle Vaillant et Longué. Il n'est pas encore arrivé. Sache que celui qui a dit Vaillant et n'est pas un homme. Il est celui qui proclame les choses à venir. Il connaît le moment est-ce que Génère va rencontrer le combat là-bas. Il vient en ce temps-là. Il appelle Elomé. Dieu, ça passe à Congo. Il connaît le futur. La Bible nous appelle que nous sommes dans un bateau. Le Seigneur a dit l'objet. Le Seigneur connaît l'avenir. À propos de milliardaire, il peut prendre un homme qui a beaucoup d'argent. Il est capable de le faire le vendeur de braise. Mais tu peux voir par rapport à cet acquis en banque, c'est impossible que cela. C'est comme avec d'autres personnes. Il a l'argent en banque, il sent que c'est impossible qu'il puisse souffrir lui et sa famille. Qu'est-ce que lui donne cette assurance? C'est l'argent en banque. Ce n'est pas ça. Le Seigneur n'a pas de décret la guerre. Il est capable de faire que ses banques soient pillées. Il est capable de plus oublier ton nom. Tu as vraiment des comptes à banque, mais ton nom disparaît. Parce que le Seigneur te pourchasse. On discute avec l'énergie. Tu disparais, on te chasse aussi par les dames. Assurance en dehors de Jésus à la bataille. Il n'y a pas d'assurance en dehors de Jésus. Si tu t'assures avec les choses vraiment de ces membres, fais attention. Fais attention. L'assurance n'a pas de l'eau. Et lui qui a de l'eau, a 800 maisons. Même construites. 800 maisons bien construites. Ceux qui sont à New York, par exemple à New York, et ceux qui sont à Lubumbashi, ceux qui sont à Par exemple à Lubumbashi ou n'importe où. Les assurances. Ce n'est pas l'assurance. Et là, pas tout ce sera. Il y a des gens sur la terre, ils ont bâti. Il a des enfants. Il dit qu'il va mettre les tapis les enfants. Mais le Seigneur a retiré ses enfants. Pour les faire souffrir avec ses enfants. Mais il a tué les enfants. Il commence à voir sa maison comme la nature. On ne blague pas avec lui. Et puis personne n'a plus sage l'intelligent que Dieu. Si tu vois que tu es bien préservé dans le péché, qu'est-ce pas ma tasse. David avait dit, dans le psaume 139, tu connais entièrement mes paroles avant qu'elles ne sortent de ma bouche. Avant que je m'assieds, toi tu connais. Tu connais lorsque je me lève. Alors lui, tu m'entoures par derrière. Vous aussi, pareil, par devant. N'as-tu pas de morceau? Alors lui, n'a aucun moment de musique. Où fuirais-je loin de ta face? Au lit, pour n'ayez en mourir. Chez toi, les ténèbres ne le sont pas. C'est ça. David parlait de la nature. Il n'est pas qu'en dehors de Jésus-Christ, assurance et actes. Sache qu'il n'y a pas d'assurance en dehors de Jésus-Christ. Assurance. Et lui, c'est Jésus-Christ. Et sa Jésus-Christ. Et quand tu vis dans le péché, il t'a besoin de calamassou. Il va besoin de s'exposer. Il va être aux amis pour m'y pèser mon corps. Jacques 4 le dit. Jacques 4 dit. Oui, il y a ce qu'on m'a mis du monde. Mon cas, tout ça, la monique à mon kili. A mis du monde. Mon dinga à mon kili. A ce qu'on m'a ennemi de Dieu. Et à ce qu'on m'a mon gouna à mon zambé.
phrase bizarre. Cette phrase-là est vraiment lourde. Vraiment, yo, oui, vous allez. Yo, vous allez dans qui vous voulez. Yo, est-ce que tu parviendras à être la version? Yo, toi vraiment. On se dit qu'on pose avec une bonne année dans le sang. Et tu peux être en adversité avec le Seigneur. Tu sens vraiment que non. On pose avec une adversité dans la vie. Nous avons une bonne année dans le sang. Pour l'ingénieur. Parce que tu aimes trop. Yo, toi. Ça va dans la personne. Et le Seigneur soit vraiment donné. Tu penses que au colon. Nous avons quand même ça que au colon. Yo. Yo, pétable. Qui est au colon. Ça va au colon. Dieu devient ton adversaire. Tu penses vraiment que tu vas vaincre ces combats? Dieu exerce sa patience pour amener les gens à la repentance. Zambia, ça, il a monté maintenant pour la vie, mais la vie, c'est la vie. Azaka, la personne, mon toi, tu cancelles ma vie. La personne que l'homme se répand. Chemin à ma vie, abandonne. Abandonne la mauvaise voie. Répands-toi. Bongo la moutée. Nous sommes tellement bons pour annoncer le royaume de Dieu. Nous nous levons pour annoncer le royaume de Dieu. Ça, nous ne faisons pas de blagues. Les associations vont ventiller. Les amis, ça va dire à ton assemblée. Nous assemblons pour la bouquet de la bouquet. Nous assemblons pour la bouquet de la bouquet. Notre réunion, nous assemblons pour la bouquet saint davantage. C'est pour que nous devenions saints davantage. L'écriture est une solution. L'écriture nous dit celui qui est saint. Pourquoi est-ce que nous sommes saints? C'est sanctifié encore. C'est pourquoi nous nous réunissons. C'est pourquoi nous nous réunissons. Dieu use de patience. Ça veut dire ça, il a capoté ma mère. Vous voyez, dit, on est dans le monde, on est dans le monde. Il sait pourquoi il parle à ton cœur comme je suis en train de parler. Alors, c'est là où tu as cette position-là du péché. Il te demande d'abandonner cette position du péché. Pour rejoindre la position, il y a répentance. Il est rejoindre la position de la répentance. Ah, t'as pas maman, il même si les gens ne te voient pas. Mais mon fou, tu es un mouquité. Mais les rémunérateurs de passer. Tu es un oyo, un mon à la moulin. C'est ta foi, même dans les ténèbres de celui qui pèse. Dis quand c'est là. Abandonne cette mouille. Vous avez bien masqué, ma soeur. Vous avez bien masqué, ma soeur. Vous avez bien masqué, ma soeur. Yo, moi, si, yo, ma balle, une seule chose à dire. Frère, là où tu es. Dis quand cette vie. Abandonne cette vie. Avec Jésus-Christ, tu paies tout par ma grâce des yeux. Christ est capable de démissionner le roi. Le Christ est capable de faire sortir de cette maison. Capable de monologuer la milango. Il est capable de tout téléphoner. À cigarette, Christ. Consommation de cigarettes. Aux autres se mettre à Ozoya, à cette église. Tu viens ici à l'église. Mais aux autres besoin pour exhiber nous autres dans leur lieu moi si n'a pas d'avoir d'avoir un pantalon. Tu as besoin de ceux qui cachent. Tu as besoin de nous montrer ton corps en portant des pantalons comme des cacheuses. À ton coup d'argent en ville. Tenue ma paix. On te raconte en ville avec une tenue indécente. Nous autres dans leur maison y a Christ Jésus. Ton corps appartient au Christ Jésus. Et ça y a pour Satan en haut. Ce n'est pas pour en faire de blagues. Vivre vie à pureté. Pita comme on y a beaucoup. Modèle, la vision, c'est la parole. Notre modèle, c'est la parole de Dieu. Les arts européens, bien qu'américains, ce n'est pas la culture occidentale ou américaine. Bien qu'il brésilien. Bien la culture brésilienne. Parce que ma brésilienne va tomber vraiment ma casse. Parce que les brésiliens sont parmi les grands modèles de ça. Maintenant, ma journée, ma moi, fait qu'à mon temps, mon tata. Ils ont vraiment leur jour, ils consacrent à marcher nuit. Angola a héritage. Angola aussi a hérité. Angola a 3 jours là au temps de la montagne. Angola a 3 jours pour exhiber la nudité. Président vraiment terrible. Le président vraiment célèbre ce jour-là. Maintenant les gars presque. Il commence à saluer les gens qui passent la nuit. Et où t'as le Brésil? Et cela provient du Brésil. Il voit vraiment sataniser. Ils appellent ça au Satan. Il faut obéir à Dieu. Seigneur, il faut tous ensemble. Voilà le principe qui a battu dans ma vérité. Ne suis pas le principe des gens de ce monde. Ça, c'est ce que j'ai senti pour la vie. Les appétants ont dit pour la bouteille. Ça. Et que ces chemins de l'eau en amour prennent ma tête. Ces chemins que je ne suis pas enfant. Il faut vraiment avoir mon famille une vie à sanctification. C'est très important. Avoir la vie de la sanctification et sa vie. Et la grâce du Seigneur est à la Nicolona. La grâce du Seigneur soit sur toi. Le temps des textes dans la mission, ok? Nous lisons notre texte. Dans Jérémie chapitre 5. Dans Jérémie chapitre 5. Verset 24 et 25. Le verset 24 et 25. Que le Seigneur Jésus-Christ a assisté par sa grâce. Le Seigneur Jésus nous assiste par sa grâce. La manière 23. Ce peuple a un cœur docile.
Et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Que Dieu bénisse les victimes. Et que le Seigneur a son ambition en moins temps, ok? Et que le Seigneur nous assiste dans ces petits moments que nous avons. Et tu as dit que tu allais enseigner sur les sept églises d'Asie. Et nous savons que nous enseignons sur les sept églises d'Asie. Notre souci, ma casse, c'est à toi de comprendre l'enseignement. Notre grand souci est que tu comprennes l'enseignement. Et pour Tariseki dans la semaine. Et on avait montré au cours de la semaine que le Seigneur a Tariseki la bénédiction sur Israël à respecter la parole. Et le Seigneur avait parlé des bénédictions au cas où Israël respecterait la parole. Et pour Tariseki aussi dans Deutéronome 11. Et on l'avait aussi montré dans Deutéronome 11. Zamiako Pessaye, la pluie, la première pluie à la saison. Le Seigneur lui donnera la pluie de la première et de l'arrière saison. Il verra que ses champs puissent produire. À cause de mon blé, la pluie. Et il recueillera le loup, les blés et l'huile. Mais c'est Israël ce qui s'est détourné. Mais il avait dit, si tu te détournes, oui, parole. Et tu refuses la parole. Oui, comment? Et tu rejettes le commandement. Je fermerai les ciels. N'a aucun ma colo. Et n'a pas la coupé sa mino la semaine à moisson. Et je vous priverai les semaines de moisson pour ne rien vous donner dans le champ. Il a connu son zamba pesaki. Tout ce que le Seigneur avait donné. Et ça l'a expliqué spirituellement. Est aussi expliqué spirituellement. Parce que les commandements de Dieu ont été montés pour ensemble. La parole que le Seigneur a donnée à Israël. La parole que le Seigneur avait donnée à Israël. Et cette parole pour moi qui est attaquée nous. Et nous avons vu cette parole porter un corps. Et Jean le baron en Jean chapitre 1. Et Jean le dit dans Jean chapitre 1. La parole faite chère. Miloma et Salinzoto. C'est cette parole-là. Et Salinzoto. Les commandements d'Israël. Qui était le commandement d'Israël? Nous sommes à respecter la parole. Si Israël respecte la parole. Jésus-Christ. A vouloir bénédiction à ciel et à terre. Il aura les bénédictions célestes et terrestres. Mais tu as remarqué qui n'est. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait remarqué? Israël a l'image qui Christ. Israël n'avait pas cru ou reçu le Christ. Et à un moment donné, Jésus a mis dans Matthieu 23. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 23, à partir du verset 37, Jérusalem, Jérusalem, tu es le prophète. Jérusalem, 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 la pitié qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu? Maraboni Nandaki. Vous rassemblez comme poussin, comme un. Cet acte-là s'accomplit si Israël rejette le commandement. Et que vous commis désert. Et vous devenez désert de sens. Il y a autre chose qui va témoigner. C'est pourquoi on avait pris quelques témoignages. J'entends, oui, à Jérémie. Du temps du prophète Jérémie. Israël a rejeté la parole. Israël avait rejeté la parole. Et vous pouvez remarquer. C'est pourquoi tu vas remarquer. Et tant Jérémie a dit qu'il y a un exemple, il sait qu'il y a dans Jérémie 7, verset 29. Lorsque Jérémie était là, le Seigneur lui avait dit dans Jérémie 7. Alors, le mot là, soukina yonios. Rase tous les cheveux de ta tête. Jérémie, le mot qui soukina yonios. Jérémie rasa tous les cheveux de sa tête. En réalité, Nabosolo, dans la salle, c'est tâte. Lorsqu'il a fait ses tâtes, Nazotan, le verset 9.
verset 29. Il y a Jérémie 7. Jérémie 7, le verset 20. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Coupe ta chevelure. Et jette l'or à loin. Monte sur les hauteurs. Et prononce une complainte. Car l'Éternel rejette. Et repousse la génération qui a provoqué sa fureur. Il faut y avoir quoi. Je suis au verset 29 de Jérémie 7. Il faut évacuer ça parce qu'il n'y a pas assez. Tu vas savoir que le Seigneur utilise ses serviteurs comme des signes. À gros, Isaïe. Il peut prendre le prophète Isaïe. Les Isaïe. Il accomplit un signe dans le corps d'Isaïe. Mais ils ont le au Christ. Mais qui parle de lui-même Christ Jésus? Le même pas sur Jérémie. De la même manière, il a pris le prophète Jérémie. Jérémie a besoin de l'Éloïa Yahweh. Ici, Jérémie est le signe de l'Éternel. Et de calmer sa vie. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Jérémie a quatre cheveux. Jérémie a coupé toute sa chevelure. Toute sa chevelure. Mais le Seigneur l'a interprété. Car l'Éternel. Oui, t'es Yahweh. Donc Jérémie a commis éternel. Donc Jérémie devient éternel. Rejette et repousse la génération qui a provoqué sa chevelure. À moi qui peux pousser mon site et qu'il n'y a pas de tout mon état. Donc Zambé a béni chevelure à Jérémie. Une génération. Le Seigneur a appelé la chevelure de Jérémie comme une génération des hommes. Donc, chevelure la prophète. Donc, soutenons sa prophète. C'est tout un peuple. Et ça dit, autant qu'on dit. Autant nous avons rejeté Israël. Lorsque le Seigneur rejette Israël, Jérémie a atteint la suite. Jérémie avait rasé sa chevelure. Ézéchiel passa la même. Ézéchiel aussi avait fait le même. Ézéchiel 5. Dans Ézéchiel 5. À partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Voilà, il faut que et là tu vas savoir. Le prophète devient le signe de Dieu. Sous le chevet du prophète devient de tout le peuple. Donc il y a comprendre. C'est pourquoi nous comprenons. Et en ces temps-là, le Seigneur avait rejeté la génération des enfants. Parce qu'ils avaient refusé d'obéir à la parole. Il y a d'autres gens qui m'ont témoigné. On avait pris les témoignages. À ceux qui vont rejeter la parole. Si vous rejetez la parole, le Seigneur a pendant les siècles. Mais vous serez privé des semaines de mensonge. Nous avons dit témoignage dans Jérémie 3, verset 3. On avait pris les témoignages dans Jérémie 3, verset 3. On a parlé de les pluies ont manqué. En voilà, les abattis n'a pas. Parce que dans l'année, les abattis deux groupes de pluie. Il y a deux groupes de pluie. Pluie à première, la pluie à verset. Voilà, il y a les coyalibos au père ciment. Et pour ajouter un témoignage. On avait ajouté un autre témoignage. Jérémie 14. Dans Jérémie 14. À partir du verset 1er. À partir du verset 1er. Même le verset 4. Juste même au verset 4. Ils ont confirmé que Tawana en Israël est avec la sécheresse. Mais tout se confirme dans ces temps-là, Israël avait la sécheresse. Ils ont prouvé que châtiment pour les enfants de Baki. Cela prouve que le châtiment dans le Seigneur avait. Ceux qui m'ont rejeté parole. S'ils rejettent la parole. Et les enfants dans la vie. Et que le Seigneur fermerait les cieux. Et qu'il m'a posé la semaine à moisson. Et qu'il serait privé des semaines de moisson. Babylon et Bukaouka. Il y aura de la sécheresse. Maï posa la terre. Il n'y aura plus d'eau dans le pays. Et Kokisama. Cela s'était accompli. Maintenant, on a Jésus dans Matthieu 23. Mais on voit encore Jésus dans Matthieu 23. 38. Verset 38. Alors, la maison sera restée déserte. C'est là qu'on a mis les boutiques à l'issue des années. Le fils est tout le bas. Le fils est l'avenir. Israël a besoin d'un bas. L'avenir Israël va manquer. Alors, vraiment, il sait la parole. Et la vraie eau, c'est la parole. En posant le mot pourquoi. Mais pourquoi Israël a manqué? Parce qu'elle a aussi parole d'être appelée Christ. Parce qu'elle n'a pas obéi à la parole appelée Christ. A rejeté la parole. Israël a rejeté la parole. Il faut brouiller. Il faut savoir ceci. Et tant qu'Israël a rejeté la parole. Lorsque Israël a rejeté la parole, le monde le lingue a crucifié qui le Messie. On a vu comment est-ce qu'il a crucifié le Messie. Il y a un témoignage que je vois pas. C'est pourquoi les témoignages que nous prenons. Le lingue juif, mon quoi c'est que Moïse. Comment est-ce qu'un hébreu avait dit à Moïse? Qui t'a établi chef? Nous avons un témoignage. Nous prenons ce témoignage. Dans la montagne, ça a rejeté Israël.
montrer comment Israël a rejeté la parole. Reine Vashti a envoyé une invitation et pas à roi Cyrus Mobali. Comment la reine Vashti avait refusé de tempérer à l'invitation du roi? Esther, et cela avait facilité l'entrée d'Esther. Tout à l'heure, ça aussi. Nous montrons aussi dans Juge 11, dans Juge chapitre 11, à frère et à Jephthé, les frères de Jephthé, avaient haï leur frère Jephthé, et Jephthé a indaqué naé, et Jephthé s'en était allé, et il est allé croiser les gens derrière, à bandit au tambour, il a commencé à marcher avec ces gens. Il y a vraiment beaucoup de témoignages. Oui, pour confirmer qu'Israël a rejeté la parole. Qui confirme qu'Israël allait rejeter la parole. Israël a commettre l'iniquité. Israël commettrait l'iniquité. Tout à l'heure, la définition iniquité. Nous voyons la définition de l'iniquité. Premièrement, le premier commandement de Dieu. Premièrement, dans le premier commandement. Exode 20. Dans Exode 20. Aujourd'hui, verset 1er, tiens le verset 5. Tu prends le verset 1er jusqu'au verset 5. Le Seigneur a dit qu'il n'y aura pas d'autre Dieu devant sa face. Le Seigneur dit qu'il n'y aura pas d'autre Dieu devant sa face. Tu ne peux pas prendre un oiseau du ciel et le représenter dans la sculpture. Après, tu te prosternes devant ce Dieu. L'iniquité, il punit l'iniquité. Ça veut dire que ça n'est pas mon ami, mais on a mon ami. Par ces commandements, mon bétoile. Le papier qui sait qu'Israël a changé Dieu. On avait interdit à Israël de changer de Dieu. Et pour comprendre l'iniquité, veut dire changer de Dieu. Alors on a compris que l'iniquité, c'est changer de Dieu. Et Dieu veut dire la parole. Ça veut dire qu'on va dire. Nous ajoutons aussi Lévitique 19. Nous ajoutons aussi Lévitique 19. À partir du verset 35 et 36. À partir du verset 35 et 36. Alors dit, vous ne commettrez point d'iniquité. Dans les jugements. Dans les jugements. Quand on juge mal. Lorsqu'on juge mal. Nous avons cette iniquité. Nous sommes sous l'iniquité. Vous avez sauvé. Nous ne serons pas sauvés. D'autres ne seront pas sauvés parce qu'ils ont jugé mal. Et ceux qui peuvent peser mal. Et si tu pèses mal la chose. Et tu ne donnes pas la chose, mais le poids. Tu commets aussi l'iniquité. C'est pourquoi Jésus avait dit dans Matthieu 7. Verset 21 à 23. Les versets 21 à 23. Ce n'est pas tout le monde. Seigneur, Seigneur. Qui disent Seigneur, Seigneur. Entrerons dans le royaume. Ce n'est pas tout le monde. Et ça va au bas la volonté de mon père. Ça va au sala au calme, tata. Alors, plusieurs me diront. Va te bêler, va colomber la canaille. N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Tout ça pour la tâter la congolaise. N'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? Tout bêta la tête de mon ami la congolaise. N'avons-nous pas guéri les malades à ton nom? Tout bêta la tête de mon ami la congolaise. Je leur dirai. N'a colombé à ta babo. Je ne vous connais pas. Non. Retirez-vous de moi. N'a dit pas la capoe, ma binoté, vous qui vous suivez. Commettez l'iniquité. Bino, ma épouse, la qui vous a la même pas mon nez. Maintenant, si vous avez écrit, moi. Maintenant, si tu prends cette écriture. Sors-moi dans l'écriture pour comprendre l'iniquité, c'est quoi? Rentre dans l'écriture des prophètes pour comprendre c'est quoi l'iniquité. Comment nous avons prophétisé, nous avons commettre l'iniquité. Mais comment tu prophétises, mais en commettant l'iniquité? Les apôtres, nous avons qu'elle. Vraie parole, c'est parce qu'il s'oppose à la vraie parole. Hasard à ses iniquité. Et qu'il est sous l'iniquité. Alors pèse enseignement ma paix. Et qu'il pèse mal l'enseignement. C'est comme Israël. Nous allons pour l'Israël. A pèsé Jésus ma paix. Il a mal pèsé Jésus. A taillé. Il a regardé. Tiens, mais bon. Pèsé vous. Vous avez compte à la paix. Mal pèsé. A méquillé ma paix et méquillé ma aussitôt. Vous avez la malade. Amen. Donc, valeur et amour. La valeur d'un homme, c'est dans la, sur la balance. C'est pourquoi le Seigneur avait pesé le roi Belshazzar. Dans Daniel 5. Dans Daniel chapitre 5. Et le livre mène, mène, tel qu'elle passe. Peser, peser, compter, diviser. Nous avons dit à peser et à trouver très léger. Le Seigneur a dit que je l'ai pesé et je l'ai trouvé très léger. Nous avons pas pesé la paix. Le Seigneur pèse aussi les gens. Il avait pesé ses rois. Le roi de Babylone.
À ce qu'il s'était joué avec les ustensiles de la maison de Dieu. Et le Seigneur l'a vu très léger. Israël va d'abord peser le Seigneur. Israël aussi pesé le Seigneur. A pesé mal. Il a mal pesé. Tant qu'il a pesé mal, lorsqu'il a mal pesé, il a commis l'iniquité. Même jusqu'à la croix. À table et colosso. Israël a refusé et il a Pilate à la comment? Israël avait refusé ce que Pilate avait ordonné de crier. Donc on puisse dire que c'est lui Jésus qui a dit qu'il est roi de Dieu. Et nous n'avons pas cru qu'il est notre roi. Nous avons pour roi César. Ils sont comme on a mis ces habitants ici. Ces paroles-là qu'ils avaient dit. C'est commettre l'iniquité. Ils avaient dit qu'au salaire, ils sont comme on aime. Ils ont régné le Dieu Jésus-Christ. Or, quand on connaît l'iniquité, tant qu'on sent la même à mon ami, on rate ses mains à moisson. Tu seras privé de ses mains de moisson. Dans le système de quoi? Pourquoi j'insiste? On a autant essayé pour montrer aujourd'hui les lords. Nous avons tant de ses mains à moisson. Nous sommes pendant le temps de ses mains de moisson. Mais Israël, mais Israël y est. Bon ami Nazania. Pourquoi il les a appelés? Parce qu'il avait commis l'iniquité. Parce que tout à l'heure dans Jérémie 5, parce qu'on a lu dans Jérémie 5, verset 24-25, le verset 24-25, le col pour commettre l'iniquité, quand vous avez commis l'iniquité, la dispensation aux âmes la carte pour vous engager. Et vous serez privé des dispensations que le Seigneur avait promises. Quoi? Les pluies, en vous l'attendez, seront retenues, et aussi ses mains en mention. C'est pourquoi on avait montré. C'est nous qui avons bénéficié de la grâce. Lorsqu'Israël a commis l'iniquité, nous avons obtenu la grâce d'entrer dans le champ de loi. C'était une grâce. Les amis Ngolo. C'est pourquoi nous montrons. L'Église a traversé cette semaine. L'Église traverse cette semaine dans l'année. La souka y a année. La souka y a cette semaine. Et à la fin de ces sept semaines, présentation des hommes. Il y a une présentation des hommes. Oui, deuxième présentation des hommes. Qui est la deuxième présentation des hommes dans la ton ami l'exemple après ce qui ordre et dit quand il y a ma présentation. Pourquoi le Seigneur avait donné la loi sur les présentations des hommes? Dans une exode 34. Je prends Exode 34. À la grâce de Dieu. En voulu en Zambé. Surtout qu'il faut y avoir enseignement. Je te dis surtout que tu vas connaître et maîtriser l'enseignement. Le pas à enseigner. Il faut parler de l'enseignement. Ce qui nous bénéficie. Si quelqu'un te dit par exemple. L'église n'allait pas me couper. Il y a une. L'église à une époque était morte. Yo, le bâté. Toi, tu ne diras pas. L'église a ça 7 semaines. Là, tu diras que l'Église a sept semaines de mensonges. Donc l'abondance est là. Il y a toujours de l'abondance dans l'Église. Même si tu vois que Dieu reproche l'endroit dans l'Église. Sache que les enfants de Dieu, ceux de Jacob, ils étaient dans le camp. Mais c'est retrouvé aussi comme des pierres précieuses sur la poitrine. Là. Mais de la même manière, nous qui sommes sur la terre, mais nous sommes aussi cachés là-bas dans le ciel. Là-bas dans le ciel. Ici, le Seigneur nous prépare. Le Seigneur ôte en nous tout ce qui est mal. Je lis au nom de Jésus-Christ. Exode 34, verset 23. Exode 34, le verset 23. Verset 23. Le verset 23. Avant même le verset 22. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Qui célébrera la fête des semaines? Yokosa la milouli à ma poso. Des prémices de la moisson du froment. Oezali bambou maya yambo yakobuka lelanga. Et la fête de la récolte. Peilouli à kobuka. Fête de la récolte, on va mettre la fête. La fête des récoltes, c'est ça la fête des tabernacles. Fête des récoltes à la fin de l'année. Nasuka Yamvula. Yoka verset 23. Le verset 23. Non, 24, il y a Exode 34. Trois fois par an,
Tous les mâles se présenteront devant le Seigneur. L'Éternel, Dieu d'Israël. Yahweh, Zambéa Israël. Pourquoi? Si tu poses la question pourquoi c'est là, réponse est dans le verset 24. La réponse est au verset 24. Car oui, je chasserai les nations devant toi. Et je tendrai tes frontières. Et personne ne convoitera ton pays. Pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel ton Dieu. Trois fois par an. Donc les trois fois par an, il y a présentation des hommes. Et ça une grande victoire qui est le Seigneur. Il présente une grande victoire qui est le Seigneur nous a. Je veux que tu puisses bien comprendre ça. Pourquoi vous vous présentez trois fois? Pourquoi vous vous présentez trois fois devant Dieu? Alors, il dit, car je chasserai les nations devant toi. Et je tendrai les frontières. Et personne ne combattra ton pays. Pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel, ton Dieu, trois fois par an. Donc, les trois fois par an, il y a présentation des hommes. Les hommes victoire. Tâche la victoire. Pourquoi la première présentation est la paix salée? Pourquoi la première présentation c'est pendant la fête de paix salée? D'abord, il y a Israël et l'Égypte, il faut savoir que Israël et l'Égypte étaient devenus esclaves. Et c'est qu'il nous avait à briser le verrou, il y a Pharaon. Il fallait que le Seigneur brise le joug de Pharaon. Et allons-y à vous par l'agneau. Et le Seigneur l'a vaincu par le sang. C'est la Pâque. Les amis basta. Mais Israël a zoomotique à l'Égypte n'a personne. Mais Israël laisse l'Égypte à la fête de personne. Parce que le 15e jour déjà. Parce qu'au 15e jour, Azobima Égypte. Israël sort de l'Égypte. Azobima déjà dans la marche. Il était déjà dans la marche. Et Dieu bénisse. Ça ne vient pas pour là. Voilà déjà dans la marche personne. Là, ils sont déjà dans la marche de personne. Le lien au Christ et Jésus. De la même manière, le Christ Jésus a confié la Pâque. Il est mort comme la Pâque. Et a servi trois jours. Et il a fait trois jours. Donc trois jours voilà, par rapport au fait des Juifs. Et ces trois jours là par rapport au fait des Juifs. Ils sont pendant la fête de Père Saint-Levin. Parce que Père Saint-Levin, ils en ont pas sept jours. Parce que la fête de Père Saint-Levin a sept jours. Et maintenant le Seigneur est au séquoi. Et maintenant le Seigneur ressuscite. Donc sa résurrection, c'est qu'il a l'air, il y a Père Saint-Levin, Juif. Et sa résurrection, c'était pendant la fête de Père Saint-Levin, le Juif. Effectivement, Nabosol, il faut na yoko tsanakati na yoko. Tu dois introduire en toi ceci. Que na kati a trois présentations en un. Que dans ces trois présentations des hommes, on trouve des résurrections. Makutaka balise quoi? Israël ou en Égypte, ils ont la résurrection. La sortie d'Israël de l'Égypte, c'est la résurrection. Moi, j'aime que l'enseignement soit facile à comprendre. C'est ça, dans la ministère. Et à ça, là, le tour. Dans la ministère, c'est que le rôle du ministère n'est pas que j'ai dit une chose que vous venez comprendre. Là, directement, tu vas descendre. Parce que le ministère c'est pour la compréhension. Déjà au niveau dans le peuple comprendre. Dans toi, dans ton niveau, tu as des choses que le peuple ne comprendra. Il faut laisser. Cela n'est pas utile. Je veux parler, je vais scandaliser. On a dit que c'est lui qui va créer l'escalade. Les préférences qui ne sont même pas. Il faut quitter devant moi. Il faut lire l'écriture en disant quelque chose. Ils allument tout à collègues. Ce n'est pas que tu imites ceux qui parlent. Il faut avoir la base de l'écriture et l'écriture. Il faut avoir la base de l'écriture en toute chose. Lorsque Israël était en Égypte, il était sous les chaînes de la mort. Au Biman Égypte. Leur sortie d'Égypte. C'est la résurrection. Mais ça dit, c'est quoi le Biman?
De la même manière pendant la fête des semaines. Le Seigneur a parlé. Deuxième présentation pour ça. La deuxième présentation, c'est quoi? Et les policiers quoi? Ça n'est pas. Il y a le signe de la résurrection. Parce que pour petit capin nous autres on a mis ce couteau là dans notre cœur. Parce que nous allons abandonner notre corps charnel pour porter le corps de gloire. Mais vous remarquez? Mais tu vas remarquer. Dans Lévitique 23. Dans Lévitique 23. L'Écriture nous dit ceci. L'Écriture nous dit ceci. Dans temps où il a fait la semaine. Pendant la fête des semaines. Donc quand on aura fait la semaine. Lorsqu'on parle de la fête des semaines. Donc ils allaient partir 7 semaines. C'est-à-dire on compte d'abord les 7 semaines de moisson. Dans 7 semaines ici, lorsque les 7 semaines prennent fin, le 50e jour ils ont intervenu. Maintenant le 50e jour intervient. Et ça, la célébration est faite à 7 semaines. Et maintenant c'est ça la célébration de la fête des 7 semaines qui vient de passer. Donc célébration les avant à 1 jour. Et cette célébration là, mais c'est pas seulement un jour. Mais Mathieu, moisson 7 semaines. Maintenant on a placé la moisson pendant 7 semaines. Maintenant, dans l'heure de la célébration, maintenant, du temps de la célébration de l'Écriture, l'Écriture dit ceci. Attends, le verset 15 et la 18 au nom de Jésus-Christ. Jésus, le verset 15 jusqu'à 18. Il y a Lévitique 23. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Or, j'ai acheté. Jésus sera chez Caïphe. Il sera encore chez Pilate. Il sera chez. Tu dois toujours lire toutes choses dans la Bible. Les animaux, tout y a. L'a observé. Branham a trop d'erreurs et graves. Si tu es dans le branhamisme, que Dieu t'aide à quitter cette drogue. Branhamisme, mais ça le colle à branhamisme. Olité, il y a la branham, mais ça le colle à l'été à Balaam. Balaam, Mazara qui demain. Balaam, Mazara qui est dans la quise. Mais le Seigneur venait le visiter. Mais le Seigneur venait parler avec lui. Moïse a collé avec les enfants dans le soir. Mais vous n'avez pas refusé que Dieu parle avec les devins. Celui qui a écrit l'entretien de Dieu et Balaam, c'est Moïse. Mais Balaam était un féticheur. Mais le Seigneur vient le visiter. Parce que ça va visiter à tout le monde. Parce que le Seigneur visite tout le monde. C'est pourquoi j'avais dit que le Saint-Esprit visite tout le monde. Donc Dieu vient visiter Balaam. Et si même Balaam le message est appuyé à Naïf. A donné même à Balaam le message de sa venue comme grâce. Écoute, c'est pas rien en train de prophétiser. Donc qui se prosterne. Mon dos est en route. Mes yeux sont bénis ce pouvoir. Je vois les visions qui sont puissantes. Nous avons beaucoup de Seigneurs à venir en moi. Je les contemple. Nous sommes talaillés. Non pas de près. N'a pas même été. Mais de loin. Mais dans mon cycle. Et là, c'est le sort de Jacob. Qui dit cela? Marianit. Moïse m'a dit. Balaam. Moïse a entendu. Ça, c'est vrai. Oh, ils appellent à Saul. Moïse a connu un mot en nombre. Balaam, c'est à qui le pardon de Balaam dans nombre. Ce n'est pas Balaam qui les avait écrits. C'est Moïse. Ils ont annoncé. Dieu est avec Moïse. Ça va, ça va qui l'a annoncé. Mais Moïse a senti que Dieu a visité Balaam. Mais Moïse a senti que Dieu a visité Balaam, les devins. Mais la suite à la nombre. Après, et mais à la fin du nombre 31, on a tué Balaam au fil de l'épée. Mais Dieu visitait ce toi. Mais il était un devin, un enchanteur. Dieu utilise tous les esprits. Ça vient à ça de la Kabylie, mon garçon. Donc, on compte
fou, tu peux rencontrer un fou en train de démon. Il a des démons. Mais Saint-Esprit le meilleur dans le monde. Mais le Saint-Esprit qui parle à travers le fou. C'est un fou. C'est à ça qu'on t'a dit. Oui, tu dis vraiment qu'il m'a envoyé et puis sur moi laisse. Tu sens vraiment que ce qu'il a dit t'a amené sur la voie. Oh, comment fuiter. Mais tu ne deviendras pas fou comme ça. Et c'est une restriction dans ma mission. Ces amis, il t'a envoyé ma tante à Tinelia. Nous rencontrons des choses ici, tu ne nous as pas utilisé, parfois nous pardonnons un animal dans nos propres. Le Seigneur utilise un païen dans ta propre famille. Il est ivrogne. Mais ça, il va te dire à l'homme au sentir que il agit des choses vraiment, et ça c'est bon. Et ça va pour y ramener. C'est seulement pour te ramener sur la parole. L'Esprit est venu le toucher, mais en lui une partie. Baptisé, il y a Saint-Esprit. Pourquoi la baptisé Saint-Esprit a sauvé? Celui qui est baptisé le Saint-Esprit est sauvé. Mais Saint-Esprit est utilisé à tout. Le Saint-Esprit utilise tout le monde. Il faut faire très attention aux Écritures. Je suis attentivement. Les femmes de la carrière, l'esprit ne demeure pas dans tout le monde. Les enfants de la carrière demeure dans celui qui croit à la parole. Vous voyez Caïphe? Il souvent un sacrificateur. Il était souvent sacrificateur. Dans Jean 11. Dans Jean 11. Incrédible. Montre la montée de programme Yakoboma Jésus. Le programme de tuer Jésus. Mais le Seigneur a utilisé. Mais le Seigneur l'a utilisé. Pour le papa, l'esprit. Pour qu'il puisse le dire, pousser par la sagesse. Il faut que cet homme accoufa. Le Seigneur était monté mon quoi accoufa. Et que la nation entière est périlée. Oui, t'es dit, monte à l'obimé accoufa. Jean le dit. Jean dit. Il ne dit pas cela de lui-même. À cela dit qu'on ne va pas monter la hier mon corps. Donc le Saint-Esprit, c'est à dire. Le Saint-Esprit l'avait visité. Incrédible. À cela dit qu'on t'a monté le quinze. Tu suis attentivement. Tu vas savoir comment travaille le Saint-Esprit. Les gens peuvent se réunir quelque part. Ils ne connaissent pas la parole dans la fosse de Dieu. Manifeste-toi. Mais il implore la grâce du Seigneur. Le sang agit. Et le Seigneur vient opérer. Mais il n'est pas avec eux. Et tu t'attaches à leur enseignement, tu en fais. Mais s'il était stérile, il obtient des jumeaux. Il faut faire très attention. Quand tu t'emportes parce qu'il y a des miracles quelque part. Dieu te demande d'aller dans l'enseignement. Nous voyons Dieu dans son enseignement. Que Dieu bénisse. Amen. Et donc, mais d'abord l'enseignement. La plus grande des choses, c'est l'enseignement. Et à vous, il faut y avoir. C'est pourquoi tu vas savoir. Dans Job chapitre 5, dans Job chapitre 5, Zambé Akumama. Dieu soit loué. Zambé Akumama. Verset 26. Qui entrera au sépulcre dans la vieillesse? Comme on emporte une germe à son temps. Donc, l'écriture nous montre, parce que naturellement, vie à plante, la vie de la plante, c'est lorsque ses racines sont attachées d'abord au sol. Comme les sages de ce monde ont appris que les plantes mangent des sels minéraux. Il ne faut pas te glorifier à cause des titres de la vie. La Bible l'appelle la rébellion. Alors, donc si tu déracines cette plante, c'est que elle a séparé la vie. C'est-à-dire la plante est séparée de sa vie. Il y a Job 5 à Zoro. Et c'est ce que nous dit Job 5. Je suis attentivement. Il y a Job 5 et Zoro. C'est ce que nous dit Job 5. Les autres, c'est que tant lorsque la personne sera au sépulcre, c'est comme on emporte la gêne. Ils ont encore la parole quand on pique ou il y a un boumet là. Du temps de la gêne, les gens avaient leur propre champ. Avant pas ça là. Au bout, il y a 7 semaines. Avant qu'il puisse entrer dans la moisson de 7 semaines. Là, et les moments corps. Ils vont d'abord déraciner en terre de ciel. Dans le champ. C'est qu'on a déraciné. Et c'est ce qu'on appelle la gerbe de Mupikou. Lorsqu'on l'a déraciné, c'est-à-dire qu'on l'a séparé de sa vie.
Maintenant, on la prend. Et on la mène jusqu'au temple chez les sacrificateurs. Alors, les sacrificateurs, lorsque même si elle était détachée, lorsque vous la déracinez, c'est la mort. C'est naturel, c'est ça. Donc, si vous déracinez, elle est séparée de sa vie. Ce n'est pas qui s'est rendu chez Caïn. Ce n'est pas qui s'est rendu chez Pilate. Vous avez été à Balaam. Les erreurs du prophète Branham Balaam. Maintenant, lorsque tu vois la chèvre se rendre dans cette sacrifice, véritable maison est en des cieux. La véritable maison, c'est le ciel véritable. Donc, tant que le Seigneur a couché, lorsque le Seigneur est mort, on dit Job 5, 26. Prenez Job 5, 26. C'est comme une chèvre. Donc, à ça, le col a coupé pour lui. Ok. Maintenant, on la mène là-bas au temple. Donc, Colo a mati ma colo. Et ça, pour toi, la colo est sur le ciel. En arrivant là-bas aussi, maintenant les sacrificateurs véritables les prennent. Ils vont retrouver le mouvement qui était là-bas. Parce que lorsque la plante était encore dans les champs, en vie, la plante bougeait. La plante bouge par le fait du vent. Salomon. Je m'en vais par les chemins de toute la terre.
hein, responsabilité. Mais je te laisse une charge. A épicier, soit l'homme. Salomon a Zala Moubali. Il était un homme. Mais on lui demande encore d'être un homme. Aussi 1 Corinthiens 16. Vous prenez 1 Corinthiens 16. Dans verset 13. Au verset 13. Tant que Paul a commis lettre à Papa Corinthien. Lorsque Paul a écrit sa lettre qu'il a adressée aux Corinthiens, dans le verset 13. À la fin au verset 13. Il y a 1 Corinthiens 16. 1 Corinthiens 16. A dit soyez des hommes. Où ça l'a mis Bali, Bali d'Ali. Donc la sœur a dit l'église. Même avec la sœur qui était à l'église ce jour-là. Son contournier va t'aider qu'il est créé à Paul. Si tu lui poses la question, elle a venu la lettre du frère Paul. Elle acceptera. Alors, elle a dit la lettre. Qu'est-ce qu'on a dit dans cette lettre? Que nous tous, même les femmes et les hommes, que nous devenions. Oui, elle a adressé l'église. Parce que cette lettre était adressée à nous. Même la sœur avait entendu. Je dois devenir homme. Je dois devenir homme. Tu suis à passer de la lettre écrite à l'église. Oui, tes amis, mon cadavre va combien la qui est l'église. L'église est l'église est composée de sœurs et de frères. Vous êtes là, madame. Tu suis attentivement. Et quand on parle l'homme, et lorsqu'on parle de l'homme, il a sagesse, responsabilité. Donc c'est la responsabilité. Il y a beau être au Zambé, après cette responsabilité, l'homme. C'est pourquoi l'être à qui le Seigneur avait assigné la responsabilité était appelé homme. Dieu bénisse. Amen. Le lingue mokon a m'appelé. De la même manière sur toute la terre. Quand nous avons appelé ce qu'Israël parole. Lorsque le Seigneur avait remis la parole à Israël. Selon psaume 147. Selon psaume 147. Verset 19 à 20. Le verset 19 à 20. Alors a révélé qu'il parole à Israël. Il révèle sa parole à Jacob. Mais il n'a pas fait le même pour les restes des nations. Parce que ça a une bonne côté pour la Nicole. Appelé ce qu'il a nation des paroles à temps. Il n'avait pas donné l'élimination la parole en ces temps. Là maintenant, prophétiquement, Israël a dit comme l'homme. Tout Israël est comme l'homme. Ma nation va être comme ma femme. Et le reste des nations comme des femmes. Il y a un moment Ecclésiaste de 7 à nous dit. C'est pourquoi Ecclésiaste de 7 dit ceci. A t'aller parmi les femmes. Il a observé parmi les femmes. Amon Adam au côté. Amon Adam, pas si mon côté. Cela veut dire quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? On dit qu'il s'y a promis maintenant. Le sauveur ne sortira pas chez les nations en Kamba. Je ne peux pas sortir de Kentucky. Je ne peux pas sortir parce que parmi les femmes, aucun. Mais parmi les hommes, il a vu un homme. Jésus a dit femme samaritaine. Jésus a dit à la femme samaritaine. Femme, moi si. Les salut viennent de Dieu. Celui-là parmi les hommes, un. C'est lui là Jésus. Vous suivez attentivement. Mais la carte n'a pas si à ta mon côté. Parmi les femmes, il n'a vu aucune. Donc, il y a la carte qui va payer son amateur. Parmi toutes les nations de la terre. Sauveur à cause à la terre. Il ne peut pas y sortir de son verre. Sauveur a dit manqué si on nous a pas sa parole. Le sauveur était sorti là où Dieu a donné la parole. Ça, responsabilité. Le Seigneur leur avait assigné la responsabilité. Et Dieu suscitera d'entre vos frères un prophète. L'homme, c'est le Seigneur Jésus. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui qui y a le salut. Maintenant, tant toujours la parole. En écoutant la parole. Toujours la parole pour que nous soyons à statuer parfait de Christ. Nous écoutons la parole afin que nous parvenions à la statue. Donc, c'est toujours la parole pour que l'homme. Ma soeur, tu écoutes la parole pour devenir homme. Frère, je la parole pour comment l'homme. Et de même, frère, tu écoutes la parole pour devenir homme. Donc, au fond, on a statué parfait de Christ. Au fond, on a le livre et qu'on a perdu. C'est ça, au comment l'homme. Il y a un mot pour comment parler. Il y a un mot après cette semaine. C'est pourquoi après cette semaine de moisson. Pour t'aller ça qui va la semaine. On avait montré comme ceci au cours de la semaine. Ma moisson. Et que c'est les moissons, il y a différentes moissons dans la Bible. Ils ont la moisson. Il y a moisson. Donc, bouca. Donc, moisson. Ils ont la bouca. Il y a moisson. Oh, ils allaient dans le lingue et à tourner qui va dans ma bébé. Qui représente comment est-ce que les hommes sont sur la terre. Et qui s'en va le matin dans ma tienne. Comment est-ce que Dieu avait dit dans ma tienne. La moisson est grande. Au bout, ils allaient mon aîné. Ils ont le lingue partout. C'est comme il y a des hommes sur la terre.
Nous suivons attentivement. Mais il y a une moisson ou sous. Mais il y a une autre moisson. Oui, ça va ramener au salement. La Katiaba, prophète, apôtre, basoko dans la chambre. La moisson comme les apôtres qui entrent dans le champ des prophètes. Donc, basoko dans la Katia champ, il y a un prophète. Ils entrent dans le champ des prophètes pour ne pas pécher l'enseignement. Pour dispenser l'enseignement. Et ça aussi, au bout. Donc, c'est aussi la moisson. La moisson, elle est bénie dans la Bible. Il y a beaucoup de moissons. Mais la suite, elle est noire. Mais je prends seulement celle-là. Parce qu'il y a la moisson aussi comme fin du monde. Parce qu'il y a aussi la moisson comme la soupe en tant que nous avons parabole, il y a une vraie. Lorsqu'on parle de la parabole de Matitima, on n'a pas présenté moisson et il y a fin du monde. Là, on présente la moisson comme la fin du monde. Mais il y a la moisson. Mais il y a la moisson. Oui, c'est celle-là pendant 7 semaines. Qui se passe pendant 7 semaines? Voilà moisson là. Et cette moisson là. Israël a vécu là quand on attend la loi physiquement. Israël avait vécu physiquement du temps. Mais ils sont aujourd'hui comme spirituellement. Mais nous la vivons spirituellement. Dans nos légumes avaient apprécié à terre matière. La manière dont le Seigneur a donné l'enseignement à ses serviteurs. Matière voilà. Et cet enseignement. Dans quoi ils ont travaillé? Lorsqu'ils travaillent. Ils ont moisson. Il est en train de moissonner dans le prophète. Et tant il y a moisson, on les a 7 semaines. Et ce temps de la moisson, c'est 7 semaines. La soupe, à la fin, les hommes se présentèrent. Nibali va couper les macas. Pour présentation, les hommes étaient sur la grande victoire. Parce que cette présentation représente la grande victoire. Il y a beaucoup de monde en allait la présentation. C'est pourquoi au moment de cette présentation, dans toutes les maisons, il va y sortir 2 pains. Après 7 semaines, dans toutes les maisons des enfants, et sa mari s'est réunie, c'est quoi la maman, et apporteront 2 pains. Et ma parole, mais ces pains là, les a élevés aussi à prémices. Donc c'est le signe aussi des prémices. Il y a l'inétoile, parce que quand on commet les hommes, lorsque nous devenons on doit atteindre la stature parfaite de Christ. Donc, nous deviendrons comme Christ. On est nettoyé. Alors viendra l'enlèvement. Au Kendewana, ils ont la deuxième présentation. Et cet enlèvement, c'est à la deuxième présentation. Il y a autre insisté qui bouillit. C'est pourquoi on avait insisté comme ça. Année à grâce, ils ont aussi la deuxième présentation. La vie de la grâce ne prend pas fin avec la deuxième présentation. Et ça, la troisième présentation, et vous allez en aller à fête à récolte. Il y a une troisième présentation du temps de la fête des récoltes. Ou bien fête à tabernacle. Et bien la fête des tabernacles. L'Apocalypse 20. L'Apocalypse 20. Avec un mot millénium. On l'appelle le millénium. Et ça, la troisième présentation. C'est à la troisième présentation. Et Dieu bénisse. Amen. Donc, ils ont la première présentation. Donc, la quatrième année. Il y a 3 présentations dans l'année. Donc, première présentation. La première présentation. Quand est-ce que le Seigneur fut enlevé comme la gerbe? En étoile. Donc, il fut enlevé. Deuxième présentation. Et la deuxième présentation. Ils allaient avoir 7 semaines. Et si c'est après la fin de 7 semaines. Donc, 7 semaines, ils allaient ritazana. Moisson. Et 7 semaines, c'est pendant que Ruth est dans la moisson. Pour Pesaki, Ruth, chapitre 1er, verset 22. Je vais donner l'écriture de Luc, chapitre 1er, verset 22. Ruth, chapitre 1er, verset 22. Le verset 22. Pour Pesaki aussi, on avait aussi la Ruth 2. Ruth, chapitre 2. Verset 22 et 23. Le verset 22 et 23. Ruth, à Sarana, champ Boaz. Ruth avait fait dans le champ de Boaz 7 semaines. Ma pose sambo. Donc parce qu'elle était dans le champ Boaz, le commencement de la moisson. Parce qu'elle était dans le champ de Boaz dès le commencement de la moisson d'or. Dina souk en ayambo jusqu'à sa fin. Et au bas de la moisson y a blé. Et depuis la moisson du froment, du froment, Dina souk en ayambo jusqu'à sa fin. Tant il y a moisson, le temps de cette moisson. Poye bayambo fautan dans Lévitique 23, verset 15. Pour le savoir, il faut lire Lévitique 23, verset 15. Et ça, 7 semaines. Cette fête dure 7 semaines. Il y a un rite à la comme moi si à Boaz. C'est pourquoi Ruth est comme la femme de Boaz. La réalité Boaz, c'est Jésus-Christ. La réalité Boaz, c'est Jésus-Christ. Ruth, la réalité, c'est l'Église. Et Ruth, la réalité, c'est l'Église. Or, la femme est le corps du mari. Donc, allez, moi si à Zanine, docteur Boubaline. Comme le mari est appelé tabernacle, la femme aussi est à la tabernacle. Moi, il y a votre taille
tabernacle entièrement qui dans Exode 40, verset 17. Le tabernacle fut dressé dans Exode 40, 17. Premier jour. Le premier jour. La première mois. La sainte année. Il y a deuxième année. Il y a beaucoup, il y a mille balais. Et puis, par démonter le tabernacle pour la première fois. Et la première fois où on démonta le tabernacle. On pensait qu'il nombre 10. On avait donné nombre 10. Verset 11. Le verset 11. A démonter le tabernacle le 20e jour. Le tabernacle fut démonté au 20e jour. Il y a deuxième mois. Du deuxième mois. Il y a seconde année. Il y a beaucoup, il y a mis mal. On s'est posé une question. Nous nous étions interrogés. Tabernacle fondant pendant combien de jours? Combien de jours le tabernacle avait démarré sur vous? Pour être dit, premier jour, il y a premier mois. Parce qu'il fut dressé le premier jour du premier mois. A démonté la mort le 20e jour, il y a seconde. Et on l'a démonté le 20e jour du second. Moins à 30 jours. Le mois à 30 jours. Cela veut dire qu'il va démonter la mort le 50e jour. Donc, il s'est dit là, 49 jours. Le tabernacle avait 49 jours. Après le 50e jour, il a démonté. Après le 50e jour, il fut démonté. Donc, on a dit que le tabernacle. On a vu que le tabernacle. On t'a même à Yahweh, c'est Gershon. Celui qui le porte, c'est le fils de Gershon. On a dit Gershon ou tête. Je n'ai pas dit Gershon. Gershon. Le Gershon. Azamon à Moïse. C'est le fils de Moïse. Mais Gershon. Mais Gershon. Azamon à Yahweh. Il est le fils de Yahweh. De Lévi, Gershon, Gershon, un premier fils. Il est le premier fils. Donc, famille n'a rien. Donc, sa famille. Bakonde, Bamemaka, tabernacle. Et c'est elle qui était commise à porter le tabernacle. Et Dieu bénisse. Amen. Mais tu peux s'agir nombre 7, verset 7. On avait donné nombre 7, verset 7. Gershon, la personne a eu deux chars. Gershon, on lui avait donné deux chars. Pour Anemaka, tabernacle. Pour porter le tabernacle. Là, on avait pris aussi nombre 4. Là, on avait pris aussi nombre 4. Mon salaire, Gershon. Donc, l'œuvre, la fonction de Gershon. Anemaka, tabernacle. Il porte le tabernacle. Donc, Anemaka, tabernacle. Il prend le tabernacle. A Tiango, Nicolas, char. Et le pose sur le char. Donc, on va savoir que les terres promises. Comme ils allaient dans la terre promise. Terre promise, ça veut dire comme montagne. La terre promise, c'est comme une montagne. La vérité, on va tirer la char. La vérité, en faisant monter le tabernacle. La vérité, la zone montée. C'était le signe de l'enlèvement de l'Église. Il y a un mot, psaume 104. C'est pourquoi psaume 104. Et béni a nié à chaque. Appelle les nuées comme les chars de Dieu. Les nuées sont des anges. Les nuées n'est pas ange. Il y a un autre loba qui est 1 Thessaloniciens 4. C'est pourquoi on avait dit dans 1 Thessaloniciens 4. Les autres, ils s'appuient sur les tokomata, cire des nuées. Nous parle de ce que nous monterons sur le nuée. Ils sont des tabernacles. C'est nous qui sommes des tabernacles. Déjà dans l'ombre. Déjà dans l'ombre. Charles de tabernacle. C'était le char qui avait porté le tabernacle. Et Dieu bénisse. Donc, on va dire on avait dit que toute chose doit être bien placée, ou est déjà bien placée. Donc, notre marche, c'est pour que nous puissions être convaincus. L'église est coyatée. Que l'église n'a jamais, n'est jamais. Pendant cette semaine. Pendant cette semaine. Et ça, l'abondance. L'église a son abondance. Parce que. Ruth est dans la moisson. Parce que Ruth est dans la moisson. Et Dieu bénisse. Amen. Donc, attends, on va réprocher l'Église. Même si tu vois l'Église être réprochée. Et bien, pour le battre, que l'Église est guérie. Ce n'est pas dire que l'Église est tombée. Non. Mais Zali, pour Azala ramener. Mais c'est pour qu'elle soit ramenée. Mais Zali, à Bombayé déjà. Mais le Seigneur l'a déjà préservé. Que Dieu te bénisse. Amen. Et que la grâce du Seigneur les a récolons à eux. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Vous avez un bon maillot à battre à eux, vraiment. Que le Seigneur te garde et te préserve. La salle est à eux pour la Romingue. Que tu fasses de merveille. À Fongole, la eux, Banzela et Kitoko. Et que tu ouvres le bon chemin. Pour terminer, nous prenons la route pour la monnaie et la Zambé. Nous nous lèvons d'abord pour confesser la grandeur de Dieu. Vous allez croire que les âmes à est bon, mais on a mis son pépole et on a mis son. Croyons que le Seigneur est notre refuge et notre lieu. Il est celui qui nous accorde le bon temps. Il ne nous abandonne jamais. Tu vas prier selon que tu as écouté la parole. Ne t'abandonne pas dans la distraction. La vie que tu as appartient au Dieu. Tu es esclave de Dieu. Ne joue pas avec ta vie. Abandonne-toi entre les mains. Nous prions
prions le Dieu. Vous aviez mon son rocher puissant. Vous battez mon aîné glorieux, grand protecteur. C'est la véritable résurrection. Je te confesse, oh Dieu. Nous en sommes à ma coquille. Tu es le Dieu de toute capacité. Nous en sommes à pour et nos sommes. Tu es le Dieu de lumière. Nous en sommes à qui m'y a. Tu es le Dieu de paix. Nous en sommes à Moloch. Tu es le Dieu de vainqueur. Pendant la yo, mon conjoint, nous sois invité. En l'air de toi, il n'y a point de notre vie. Sala la yo, élevé, Seigneur. Sois élevé, oh Dieu. Pour la vie, à mon corps, à mon corps. Sala pour l'amour. Accorde ta volonté. Fonds-moi pour moi, à mon corps, à mon corps, Jésus. Pour la vie de tout un chacun, Jésus. Grâce à Dieu, ça me salamine. Que ta grâce, Seigneur, accorde de nous. Pour moi, il dit, sous-moi, non, moi, la carte, il a dit, son. Que le péché puisse quitter en nous. Pour moi, il n'y a pas de bindo. Toute vie de suivre. Ma carte, il n'y a pas de ma paix. Toute mauvaise pensée. Il salamine, son bindo. Toute œuvre de suivre. Et le roi, la corde. Tout ce qui est comme plan de l'ennemi, lorsque ça ne m'a pas dit, ça m'a dit, la beauté échoue, échoue. Ça me sanctification, la sanctification, crainte de Dieu, la crainte de Dieu. Jésus est si qu'un amour, il se prend de place dans la vie de nous. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, la congolais sous Christ. Ton tâteau, parce qu'aux animaux, là, vous m'y dites, nous confessons parce que tu es tellement bon. Ton tâteau, parce qu'aux animaux, pour les maçons, le puissant. Nous confessons parce que tu y es la vraie lumière. Confessons parce que tu es la vraie vie. C'est toi qui es le vrai refuge de Dieu qui te sauve. C'est toi le vrai refuge de Dieu de Dieu. C'est toi le puissant protecteur. Tu es le père des prodiges. Au grand Dieu, rocher de Dieu, et de grâce de béni miséricorde, Yahweh le dit à nos rois, Dieu qui nous a prié, pour Jésus, au sang de la Lissoussou, tu m'as prié encore, et puis sans enlever ma vertu, Nayo et Taïsamana ma vie, Dieu Seigneur, que tes vertus puissent manifester ses mains, et Sala Nayo au lago et tout dans la tête et la mer, et tes bonnes œuvres puissent abonder, Sala et tes côtés, Manana. S'attacher aux bonnes choses. Et la vie du monde puisse manquer de place là-bas. Prie le Dieu vivant. Voilà, grande victoire, Dieu saint. La véritable espérance, Dieu saint. Au fond, voilà la vie qui est à la Seigneur. Voilà, tu ouvres la vie de ton peuple. Seigneur, tu es un grand protecteur. Tu fais au-delà ce que nous t'avons dit. Tu es le Dieu de lumière. La source d'eau vive. Sois glorifié
soit exalté, mon Dieu. Zalana yo béni, glorifié. Sois béni, glorifié, Seigneur. Kimiana yo zambe, talisama na kati na moko na moko. Ta paix, mon Dieu, puisse se manifester dans tout un champ. O pambo la vie à moko na moko na ma pambo ya likolo paix, Seigneur. Bénis la vie de chacun des bénédictions des cieux et de la terre. Fongo la paix, mi sala ya mtoto pona lukumu na kongo. Ouvre aussi les activités pour la gloire de ton nom. Mbolu na yo et talisama na vie à mi. Que ta grâce se manifeste dans la vie de mon frère. Maladie. Je m'oppose aux maladies. Complications de santé. À toute complication de santé. Et comment dit par tes maîtrisiers nous sommes gays. Dans ma pupille en est obliqué. Et comment dit qu'il t'est chargé de nos infirmités, de nos maladies. Mais ma qui va mon coronavirus en aéro. Les châtiments qui donnent la paix tombent sur toi. Qui me paie sa vie, qui me voit à qui me voit. On va dire nous chasserons les démons à ton nom. Sur ta parole, na télé m'oppose à toutes ces maladies, à tout vent des ténèbres, et la maladie, ça soit la maladie, c'est toi qui les as vécu, mon frère est la guérison, que mon frère sente la guérison, ma soeur sente la guérison, et la vie pratique, que ça soit dans la vie pratique, ma camarade, tout à la moelle, ma cassia, dans le nom de Jésus, la compagnie de Jésus, pour une aise, que sa vie au Dieu, la quoi ici ma montagne, où est qu'elle est acquise, Seigneur, je renverse toutes les montagnes, et pour ma vie qui est dit, grande montagne, et pour ma vie, la vie pour ma monnaie, et pour ma plaine, il y a beaucoup ma plaine, le Seigneur, on va qui périssous, le Seigneur, maintenant, si quelqu'un a la foi comme les grains, Seigneur, ce qui m'ont dit, c'est ma foi qui m'a le bras, à pour le bras, montagne, entre toi et là, et jette-toi dans la mer. Amen. Amen.